Très bien, on enchaîne avec donc ce trade, puisque ce week-end il s'est passé des trucs improbables, puisque Washington, Phoenix et Memphis s'étaient mis d'accord. Je sais pas si t'as suivi cette histoire magnifique. Donc Wojnarowski, le plus grand insider de NBA, annonce comme d'habitude des petits tweets pour dire que Ariza va du côté de Washington, que notre ami Kelly Oubre Jr. et Austin Rivers vont du côté de Phoenix, et donc Dylan Brooks allait du côté de Washington aussi. Sauf que Washington et Phoenix et Memphis pardon ne s'étaient pas mis d'accord sur le bon Brooks, puisqu'il y a Dylan Brooks et Marshawn Brooks. Merde alors. Washington voulait Dylan, Memphis était disposé à lâcher Marshawn, sauf qu'ils sont pas mis d'accord sur les prénoms et donc le trade est tombé à l'eau. C'est comme si ce n'est jamais arrivé. C'est comme si ESPN il négocie Thomas Dufin que tu leur envoies Antoine Dufin. C'est un peu l'histoire. C'est tout ce que je souhaite fonce mon gars, si t'appelles. Si t'appelles. Donc histoire incroyable, le trade tombe à l'eau, on se dit ça va être compliqué de le faire, et pourtant un jour plus tard, Phoenix et Washington se mettent d'accord. Alors voilà, petit récap du trade. Donc Kelly Oubre Jr. et Austin Rivers font le voyage entre Washington et Phoenix, alors que Trevor Ariza, le vétéran Trevor Ariza, va du côté de Washington. C'est un retour. Allons sur Trevor Ariza et sur les Washington Wizards, Erwan. Qu'est-ce que tu penses de ce trade d'abord, globalement ? Plein de choses. On a vu qu'Ariza a laissé un trou énorme à Houston, qui n'ont pas pour l'instant réussi à combler. Donc on sait que c'est un joueur qui est quand même un vrai vétéran, avec une vraie expérience. On rappelle champion 2009 avec les Lakers. Je suis assez curieux que ça n'ait pas matché avec les Suns. Après, peut-être les limites du personnage, c'est-à-dire pas dire c'est pas un vrai leader. Je pense que c'est un mec qui doit être porté par des leaders, comme il l'avait été à Houston avec Chris Paul et James Harden. Il n'a pas réussi à avoir, même si Eli Okobo nous avait confié dans les vestiaires après le match face aux Lakers qu'il faisait partie de ses vétérans avec Jamal Crawford qui leur parlait beaucoup. J'ai l'impression quand même que le discours... C'est pas un problème de match là. Hein. Et que lui son attitude... Il parle pas à cause de ça, il parle pas à cause de l'attitude ou je sais pas quoi. Ah non, je parle pas de l'attitude, mais je pense qu'ils l'ont fait venir, ils ont quand même filé un peu de caillasse, cet été. C'est qu'ils imaginaient de lui... qu'il allait pouvoir apporter un petit peu de... Il leur fallait un vétéran, cette équipe-là, tu vois ce que je veux dire ? Mais il vient à Phoenix pour les 15 millions que Houston ne veut pas lui donner. Phoenix lui fait 15 millions parce qu'ils veulent bien mettre des vétérans pour un peu guider ces jeunes-là. Ça n'a pas été le cas. Il va à Phoenix justement pour être un leader de cette équipe-là. On voit ses stats, que ce soit à 10 points, 5 rebonds, 3 passes, c'est pas dégueulasse en soi, tu as raison. De toute manière, ils l'ont pris, il n'avait pas tourné à 20 points. Mais là, il le transfère parce que lui a besoin, c'est un joueur qui a besoin, au vu de son âge et de son expérience, de jouer dans une équipe qui joue les playoffs. C'est vraiment le bilan collectif. Il savait où il signait, notre ami, quand même. Ouais, mais je pense que au début de la saison, et nous aussi, on pensait que Phoenix allait faire une meilleure saison, n'allait pas être à 6 victoires mi-décembre. Et il était venu quand même pour gagner des matchs. À partir du moment où c'est une équipe qui était en grande galère d'un point de vue comptable, eh bien, C'était mieux qu'il parte. C'était mieux qu'il parte. Et je pense que les rumeurs autour de lui ont été nombreuses ces derniers temps. Les Lakers ont essayé de le rapatrier, ça ne s'est pas fait. Il va du côté de Washington, donc c'est un retour, on le voit là, il y a quelques saisons, du côté des Wizards. N'empêche, quoi qu'il se passe, enfin, il est en fin de contrat en saison prochaine, enfin l'été prochain, eh bien, c'est un vrai apport qu'il va pouvoir apporter à une équipe de Washington qui a le même joueur de profil, j'ai envie de te dire, avec Otto Porter. Ouais, juste petite parenthèse, t'aimais bien l'idée qu'il revienne aux Lakers aussi. J'aurais adoré. T'es pas déçu? Bah, les Lakers, après c'est toujours pareil, le truc c'est qu'est-ce que tu lâches pour l'avoir, et les Lakers ne sont pas disposés à lâcher les jeunes, ni les picks, ni les jeunes joueurs, puisque leur grand délire là, c'est d'essayer d'aller chercher Anthony Davis l'été prochain, et pour avoir Anthony Davis, il faut avoir le maximum d'assets, et donc des jeunes joueurs. Trevor Ariza serait arrivé pour apporter tout de suite maintenant, et vaut mieux un peu attendre du côté des Lakers. Je pense qu'ils ont bien fait. Donc, voilà. Retour à Washington. Je pense qu'il va apporter un petit peu de stabilité parce que c'est un joueur stable quand même. Trevor Ariza, c'est pas un échappé, c'est un mec qui va défendre. Et on a vu que John Wall remet le nez à la fenêtre. On a vu que Bradley. Tu m'étonnes. Mais même de manière générale, les Wizards depuis quelques matchs et depuis une dizaine de jours, ils ont enchaîné 4 défaites. Hein, se sont avant le trade. Mais en tout cas, on en parle moins. Je trouve que ils font moins de bruit au niveau du comportement. Tu ramènes un mec comme ça qui connaît la maison, bon, écoute, pourquoi pas, ils essaient de sauver leur saison, en tout cas, moi c'est comme ça que je le prends. Aujourd'hui, Washington est 11e de la conférence Est, ils sont à 12-8, sachant qu'ils sont à 2 matchs des playoffs, donc il y a 2 matchs et demi des playoffs, donc a priori, il n'y a pas péril dans la demeure. Se remettre à gagner des matchs, mais il va pouvoir leur apporter défensivement, parce que regardez ce rating qui est catastrophique, ils sont 27e défense de la Ligue. C'est
Pour une équipe qui a des muscles, pour une équipe qui a un coach défensif, c'est une honte d'encaisser 112 points au rating, et c'est pour ça qu'ils vont chercher Trevor Ariza. Quand en backcourt, c'est John Wall, Bradley Beal, qui sont deux énormes défenseurs, qui te retrouvent 27e défenseur de ligue, c'est comme maintenant, c'est du foutage de gueule. Sachant que tu rajoutes Otto Porter, qui est aussi un profil défensif, que tu rajoutes à ça la signature de Dwight Howard, qui est censé apporter... Qui ne joue pas, il est blessé. Qui ne joue pas, qui est blessé, mais bon, bref. Il y a Yann Meinemi, qui est aussi un défenseur quasi exclusif. Qui ne joue pas non plus. Ne joue pas non plus. Bon, bref, au bout d'un moment, je pense qu'il y avait c'était pas qu'un problème tactique défensivement, c'est que les mecs, ils n'ont pas voulu s'y mettre. Donc écoute, je pense qu'il y a eu un vrai... Je pense que le fait de dire que tout le monde était peut-être ouvert à un trade, ça, j'ai l'impression que ça a remis un petit peu les mecs sur le droit chemin. Maintenant, comme tu dis, ils sont qu'à deux matchs. Et en faisant venir Trevor Ariza, je pense qu'ils veulent sauver leur saison. On fera un point, je pense, en juin avec eux. Mais en tout cas, ils veulent sauver leur saison. Et c'est plutôt pas mal senti de faire venir Ariza. En tout cas, ils ont beaucoup de monde sur les postes 3-4. Hein, donc on l'a dit, Otto Porter, ils ont aussi Jeff Green. Ils ont aussi Markieff Morris sur le poste 4. Ils ont Sam Decker qui était très bon hier face aux Lakers. Il a mis 20 points. John Wall a été magnifique. Hein, 40 points, 14 passes et 6 rebonds pour relancer. Je répète, hein, ils ont perdu 4 fois d'affilée avant cette belle victoire. Je vois dans les commentaires Nomad qui nous dit Thomas Bryant est titulaire. C'est que vraiment, il ne respecte pas Miami. Oui, Thomas Bryant est un bon petit joueur. Lui qui avait été drafté par les Lakers. Miami ne joue plus du tout, c'est un peu chelou ce qu'il se passe, il y a beaucoup d'équipes perdues, nous dit Yvi Garnier, on te rejoint en tout cas, comme dit Erwan, on refera un point dans quelques secondes pour voir s'ils se sont relancés dans la course au play-off. Allons du côté de Phoenix qui, surprise un peu j'ai envie de te dire, va chercher encore du potentiel. Austin Rivers, un meneur de jeu, va pouvoir leur faire du bien justement sur un poste clairement meurtri du côté de Phoenix. Ouais, on a vu qu'Ilie Okubo a été renvoyé en G-League, j'espère qu'on ne lui a pas porté la poisse en allant l'interviewer dans les vestiaires, donc on va prendre le temps, moi je reste persuadé que c'est ce qu'il nous a confié aussi, que les Suns vont prendre le temps, donc lui faire des allers-retours en G-League. En attendant, Booker était blessé en plus, lui qui start à la main depuis qu'ils ont coupé Canaan. Donc effectivement, Austin Rivers va leur faire du bien. C'est pas le plus grand meneur de la ligue, mais en tout cas c'est un mec d'expérience désormais et qui aime jouer. Alors, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est un mec quand tu le mets sur un terrain, il s'échappe pas. Aujourd'hui, via l'expérience qu'il a eue aux Clippers, c'est et sa petite expérience compliquée chez les Wizards, c'est un mec aujourd'hui qui a envie de jouer, et quand tu mets sur un terrain, tu sais ce qu'il va t'apporter. Donc ça va leur faire du bien, et puis qu'il est Oubre, ça leur rajoute un vrai potentiel. C'est un joueur que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'il commence à avoir un vrai potentiel. Maintenant, ce potentiel-là, il va falloir le concrétiser un jour ou l'autre. Ouais. Là, j'ai l'impression quand même qu'on pédale dans la choucroute et qu'on a du mal à commencer à avoir un début d'éclaircie chez les Suns. Alors en tout cas, à côté de Austin Rivers, on rappelle qu'il est en fin de contrat cet été. On ne sait pas s'il va prolonger du côté de Phoenix, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il s'inscrive dans le projet à moyen terme, parce que comme tu le dis, oui, c'est pas un meneur de jeu, non, c'est pas Steve Nash, non, c'est pas Asia Thomas, on est d'accord, ou même un profil, c'est pas Calderon non plus, qui a été un joueur incroyable dans l'adresse et tout ça, mais c'est un gars, un combo qui va apporter de l'énergie, qui va apporter de la sérénité sur un poste où il n'y a personne. C'est-à-dire que tu remplaces un bon joueur de NBA par personne, non, c'est l'inverse. Il arrive à un poste justement où il y a absolument des gains, et donc voilà, moi je trouve que c'est un bon move. Eh oui, j'ai dit des gains. Eh oui, j'ai dit des gains. Okay. Après 6 ans de travail avec Thomas, le mec lâche des gains. Bon, ok, bah super. Bah écoute, voilà, moi j'arrête la first team. J'ai réussi mon pari. Voilà, merci à tous, c'était un plaisir. C'est parce que je suis allé voir le film Les Dégâts et j'ai été très surpris par. Par la pauvreté du scénario. c'est l'idée. Donc, ouais, Austin Rivers en fin de contrat, à voir s'il prolonge du côté de l'Arizona. Et donc, Kelly Oubre Jr., tu viens d'en parler. Pour l'instant, il va falloir qu'il s'y mette. Parce que s'il est évacué par une franchise qui croyait en lui jusque-là, on se posait même la question, puisqu'il arrive à la fin de ce contrat rookie, de ce qu'ils allaient faire. De lui, le prolonger, lui donner de la confiance, lui donner du temps de jeu. On regarde ses stats cette saison, il a 12,9 points, 43% en tir, c'est pas horrible. Le problème, c'est que les joueurs au potentiel dont on parle plus pour le côté extra-sportif et hors basket, ça fait, au bout d'un moment, ça peut péter, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une énorme concurrence, il y a Mikal Bridges qui est là, il y a Josh Jackson sur les postes. Après, moi, je le kiffe vraiment, ce petit chien à gaucher, talentueux, beau gosse, mannequin chelou, là, tu sais, XXXTentacion, là. Et maintenant, il faudrait qu'il arrête de se regarder un petit peu jouer. Il a un petit peu ce côté-là. Et là, je crois qu'il a une vraie carte à jouer quelque part. Il a une vraie carte à jouer, sachant qu'on est dans du small ball, qu'on décale pas mal Josh Jackson sur des postes 4 aussi. Ça peut être intéressant, c'est un mec adroit. Ils n'en ont pas des masses pour mettre dedans autour de Booker sur les postes extérieurs. Ils ont parmi les jeunes. Ils ont pas mal de slasheurs plutôt. Et tu disais quoi ?
J'ai dit qu'ils en avaient. J'allais te faire un petit récap sur les postes 3-4. Vas-y. Il y en a. Le problème, c'est que c'est des profils un peu compliqués. Alors oui, tu as cité Judd Jackson, qui est pas dans un profil shooter, mais sur les postes 3-4, qui envoie, c'est un peu physique, très bon défenseur et qui est complémentaire. Ils ont encore Ryan Anderson. Ryan Anderson, on rappelle que, tu me parles d'adresse, Ryan Anderson est très adroit. Le problème, c'est que Ryan Anderson est en fin de vie alors qu'il a 31 ans, ce qui est complètement fou. Il prend 20 millions cette saison. L'année prochaine, il a un contrat à 21 millions, mais il n'a que 15 millions de garantie. Donc, s'il le coupe en début de saison, basta. Ils ont aussi Dragan Bender qui ont décidé de ne pas le prolonger, donc c'est peut-être les derniers moments de Dragan Bender en NBA. Daniel, qui joue pas. On rappelle que Dragan Bender est un numéro 4 de draft, qui c'était le Porzingis un an plus tard. Et bien bravo les gars, ils avaient pris aussi Marcus Chris. Hein, Porzingis, Bender, au moins il peut jouer 3 minutes. Porzingis, il peut pas jouer. Ouais, apparemment, ouais, mais s'il joue pas, c'est qu'il a pas le niveau. Vaut mieux avoir un mec qui est très fort mais qui ne joue jamais, ou un mec qui a pas le niveau mais qui joue jamais. Ça sera un prochain débat. ce sera un prochain débat. Donc oui, ils ont du monde. Il va falloir faire de la place cet été, pourquoi pas imaginer de signer des mecs. Il y a encore TJ Warren qui est là, et Devin Booker dont tu parlais tout à l'heure rentre dans son méga contrat à 158 millions de dollars dès la saison prochaine. Il passe de 3 millions de dollars la saison à 27 millions l'année prochaine. Et bien il va avoir un changement de vie radical, lui. TJ Warren, je pense que tu viens d'en parler, je pense qu'il va ça va être peut-être le premier à être le fusible, le premier fusible à sauter, ouais. Ok, on verra en tout cas dans quelques semaines comment les jeunes joueurs de Phoenix 6-24, continuent. Quand même. Ils sont à 6-24. C'est triste. Hein. Ils sont à 6-24, absolument, cher Arwan. Ils ont le droit d'en prendre un peu plus, quoi. Ils ont le droit. Mais même si, encore une fois, tu sais, quand tu prends les joueurs un par un, DeAndre Jordan, Eaton, Devin Booker, il y a pas mal de talents, il y a pas mal de joueurs qui sont bien, mais sauf qu'ils se font exploser. Et un bon coach. Et ils se font exploser dans les fins de match. Ils ont toujours des trous d'air, mais tu sais, de genoux, quoi. Ça fait penser un peu à l'INSEP, hein. Ouais, mais ça serait bien qu'à un moment donné, on arrête cette équipe-là de les considérer comme des jeunes et qu'ils commencent à prendre des matchs. Parce que c'est. Être jeune, ça, on ne peut pas tout excuser non plus. On leur excuse pas. Et eux, ça fait quand même 3-4 ans qu'on dit ils sont jeunes. Merde, quoi. C'est bien au bout d'un moment de se considérer autrement que juste des jeunes sympas qui arrivent à jouer 3-4 ans et demi, quoi. Ouais, d'accord. Il y a une dernière question, là. Est-ce que Austin aurait fait carrière en NBA sans son nom de famille, Austin Rivers? Oui, c'est un bon joueur. Il froissait en high school, il passe par Duke, et puis il fait une carrière honnête. Il fait pas une énorme carrière, il fait une carrière honnête, et il en a chié justement à cause de son nom de famille. Je cache pas que son père l'a relancé après ses débuts de carrière très compliqués aux Pelicans. Ça fait partie du jeu, mais moi je suis persuadé qu'il va leur faire beaucoup beaucoup de bien aux Suns. Tout à fait. Patessiero nous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de George Jackson? Ce sera dernière avant de passer au dernier sujet. Moi j'aime bien, c'est un bon joueur complet, poste 3, doit être un petit peu plus régulier en attaque, mais c'est un vrai soldat. Capable de se mettre des grandes pelées en défense, fait beaucoup de fautes encore, des fois trop rapidement, mais j'aime bien le potentiel. Et autour d'un Booker, il leur faudra comme ça des grands soldats capables d'aller sur des missions défensives intéressantes. C'est quoi son potentiel? Parce que ça, lui aussi, un quatrième choix de draft, hein, très haut dans la draft l'année dernière. C'est que j'ai du mal à me projeter sur ces potentiels parce que c'est tellement. Ils arrivent tellement pas à gagner de match. Donc, on a du coup, coach Kokoskov tente pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, c'est très dur de voir une ligne directrice. Moi, son potentiel, je pensais pas être un super lieutenant, troisième option peut-être, d'une équipe qui veut aller en playoff, quoi, chez les Suns. Je pense qu'il a ce bon wagon à prendre. C'est un mec complet. Qui va au rebond, qui sait, c'est espèce d'energizer comme ça là, qui doit progresser en attaque et qui va progresser, j'ai l'impression. Très bien. On appelle le tour sur ces Phoenix Suns et sur ce petit trade entre Washington donc et Phoenix. On va pouvoir passer au grand fantasme de la dernière vidéo, c'est sur les Clippers.